s'il vous plaît. Mère supérieure, trouve une place dans ton cœur pour la pardonner et l'accepter rentrer. Elle est toujours ta fille. Quand elle a entendu, elle a réalisé son erreur. Et elle est rentrée maintenant. S'il vous plaît, je vous en supplie. Elle a besoin de vous. Elle ne peut rien faire sans vous. S'il vous plaît, mère supérieure. Elina, crois-tu réellement que je dois la pardonner? S'il vous plaît, mère supérieure, pardonne-la. Sa situation est terrible. Le trône que son mari a laissé pour son fils a été pris, voire même sa vie. Elle va mourir au moment où nous parlons, si nous ne faisons rien pour sauver sa vie. Elle fait face maintenant à la bataille spirituelle. S'il vous plaît, elle a besoin de vous. Je vous en supplie, la mère supérieure. Tu nous avais vomi. Et maintenant tu remanges ce que tu as vomi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Désolée, mère supérieure. La toute-puissante Chakari demande que tu l'offres un sacrifice de purification. Après ce sacrifice, tu seras libéré. Mets tes mains dans ces pots. Peu importe ce que tu prends, cela sera ton devoir. Ouvre-le pour voir. Non! 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 Non, 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 ça sera impossible. Ma fille, silence! Ça ne sera pas possible. Peu importe ce que tu as pris, c'est ça que tu dois rendre. Ça ne sera pas possible. La tout-puissante Chakari a parlé. Ça ne peut pas. Ma fille? Non, ça ne peut jamais être possible. Ça ne sera pas possible. Pourquoi la fille? Non, ça ne peut pas être possible, pas du tout. C'est drôle. Je ne crois pas que je suis tombée amoureuse de mon propre cousin. Mais pourquoi est-ce que son état ne s'améliore pas? Mon Dieu, s'il te plaît, aide-le. Mon prince, s'il te plaît, sens-toi bien. S'il te plaît, tu dois bien te sentir et rentrer chez ton peuple. S'il te plaît. Seigneur. Ah,
Peut-être que tu es en train d'oublier qui nous sommes. Hein? Nous sommes les seuls frères de ton mari. Et la tradition demande que tu... maintenant que tu es en train de souffrir comme ça, et ton mari aussi n'est pas en vie, et tu prends le temps d'ajouter beaucoup de problèmes sur ta santé. Et pourquoi est-ce que tu es en train de nous cacher des choses? En fait, non, dans ce que tu... dans tout ce que tu cherches à entreprendre, hein? Quand est-ce que la princesse viendra? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? Je t'avais déjà dit que je n'ai rien avec ma main. Je vais très bien. Mais ce bras ne paraît pas bien pour moi. Et pourquoi n'arrives-tu pas à le mettre en mouvement? Je peux positionner ma main comme je le veux. Ce n'est pas votre problème. Laissez-moi tranquille. Le prince, qu'est-ce qui le retarde? Pourquoi n'est-il pas venu? Mon fils reviendra lorsque je voudrai. Tu sais, les choses ne doivent pas être comme ça maintenant. Tu sais, parce que ça, c'est un problème qui concerne tout le royaume. ton fils va revenir pour enterrer son père, le défunt roi. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que tu en fais un problème personnel. Je pense que tout le village a été informé que le... Si le fils n'arrivait pas en déant deux semaines, est-ce que tu porteras la couronne d'Igwe? Je jure sous ma propre tombe. Ça n'arrivera jamais. Je connais bien ton plan. Vous avez collaboré pour tuer mon mari, pour que vous récupériez le trône. Quoi? Oh oui. Tu parles de quoi? Oh oui. Je vous avais gardé ce secret. J'ai mes propres raisons. Vous m'avez cherché physiquement. Vous avez échoué. Et maintenant, c'est spirituel. Voilà pourquoi vous gardez mon fils là-bas à l'hôpital. Et vous avez paralysé ma main. Et vous savez quoi? Je vous dirai ceci. Vous êtes en train de nager dans une rivière profonde. Et ça va vous engloutir. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je crois vraiment que tu es en train de toucher un intouchable. C'est ça? Oh oui! Oui, je le ferai encore. Physiquement ou spirituellement, je suis prête. Je vais vous battre. Allez vous préparer et venez avec je ne sais quoi. Je suis déjà prête. Bien, comme tu es au courant de ce que nous voulons, je te conseillerais de nous passer ce trône calmement. Sinon, les conséquences en seront fatales. C'est toi qui vas te blâmer toi-même. C'est vous qui allez vous blâmer vous-même en faisant ça. Je considère ceci comme un défi. S'il vous plaît. Alors, on peut partir. Espèce de méchant. Vous n'êtes pas gentil. Vous êtes des méchants! Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Tu ne fais pas du bien à ton corps, alors arrête ça, s'il te plaît. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Crois-moi, maman. Je comprends. Je comprends que tu as trop à faire en tant que mère. Je comprends.
Je comprends que la situation de mon frère trouble ton cœur. Tu dois quand même aller doucement avec maman. Regarde-moi. Regarde-moi. Je ne vais pas aussi bien, maman, que tu n'es. Mais j'arrive à comprendre toutes les situations. Dieu sait ce que nous sommes en train de traverser. Il le sait, maman. Il le sait. Et je suis sûre. Il ne va pas nous laisser sombrer. S'il te plaît, maman, je n'ai pas de voir ainsi. S'il te plaît, je te supplie. Je suis désolée. Je suis désolée, ma fille. S'il te plaît, viens. Approche-toi. Oh, je suis très désolée. Je suis désolée. Je suis très désolée. Je suis désolée, ma fille. S'il te plaît, je suis désolée. Papa. Papa. Papa, où es-tu? Papa. 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 Papa, tu es ici? Est-il vrai que vous avez tué les rois pour prendre le trône de mon cousin? Et d'où as-tu appris cela? J'ai entendu les autres anciens parler de ton nom pendant que je revenais. En plus, ce n'est plus une nouvelle. C'est déjà propagé dans le village. Papa. Est-ce que c'est vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Peut-être ce sont des gens qui veulent ternir ma réputation. Mais il n'y a rien de tel. Pourquoi y a-t-il un différent entre toi et la reine? Oh. Tu penses que je ne suis au courant de rien? Parce que j'avais remarqué que les choses ne marchaient plus bien entre toi et la reine depuis longtemps. Si tu n'as pas mémise sur ce trône, alors pourquoi y a-t-il des différends entre toi et la reine? Pourquoi tu ne protèges pas ses intérêts? Alors qui et qui ou qui complote pour détruire son fils? J'ai pensé profondément sur ça. Je ne pense pas que je saurais sacrifier ma propre fille. Ça ne sera pas possible. Je ne peux pas. Tu peux faire un autre choix. Je pourrais vraiment le faire. Mais sacrifier ma fille, ça ne sera pas possible. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne veux pas le changer. Car c'est pas moi qui ai fait un choix pour toi. C'est le choix que tu avais fait. Il y en avait plusieurs dans le pot. Mais tu as choisi de sacrifier ta fille. Et ça, c'est la fin. Mère supérieure, tu sais bien comment ces choses se passent. Tu le sais. Tu savais bien que c'était ma fille qui était dans ce pot. Tu voulais juste jouer avec mon intelligence. Assez! Je ne vais accepter aucune insolence de ta part. J'en ai assez, même pas une fois. Prépare-toi pour suivre ton chemin. Et maintenant, écoute, et écoute-moi très bien. Le temps de la leçon a pris fin. Leur père a déjà payé le prix. Quitte ma présence. Quitte ma présence. Quitte ici. Mmh.
sors d'ici. Fils. Oui, papa. Il y a quelque chose que je voudrais te faire comprendre. Je ne suis pas en train de chercher à ravir le trône de qui que ce soit. Je suis juste en train de chercher à reprendre ce qui nous a été volé. Que veux-tu dire, papa? Ezekiel n'était pas destiné à occuper ce trône. Le Dieu avait choisi mon père, ton grand-père. Mais Ezekiel était un homme très, très, très riche. Cet homme-là, personne n'est riche comme lui. Il a dû soudoyer le faiseur du roi. Et on a dû lui donner le trône. Même si c'était mon père, ton grand-père, que le Dieu avait choisi. Papa, qui est le grand? C'est mon grand-père? En fait, la question est là sur le droit de naissance. Mais c'était le plus jeune que le Dieu avait choisi. Papa, comment est-ce possible? Bien, fils, c'est une très longue histoire. Mais c'était ça la vérité. C'était ça la vérité de l'évangile. Raison pour laquelle mon frère, mon jeune frère, m'apporte son soutien. Et tous les anciens m'apportent leur soutien aussi longtemps qu'ils le peuvent. Cette famille ne va absolument nous emmener nulle part. Nulle part. Il ne nous a jamais amenés à un pas de plus depuis qu'ils ont le pouvoir. Tous nos villages voisins sont en progrès. Ils vont de l'avant. Mais nous sommes juste là en train de reculer. Bien, les gens ont dit qu'ils en ont marre. Ils veulent du changement. Et ils pensent que c'est moi. Je suis le changement qu'ils veulent. Et je ne peux pas les décevoir. Bien. Je veux que tu croises en moi et apporte-moi ton soutien. Je suis désolé, papa. Je ne comprends pas vraiment toute une litanie de l'histoire. Alors pourquoi la communauté ne protestait pas ou se révoltait pendant que les Igwe étaient en vie? Écoutez, peu importe que vous relatez cette histoire ou vous la considérez, c'est clair que cette histoire est composée de toutes pièces. Papa, tu veux que je te soutienne en convoitant le trône de mon cousin? Non. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Ce que je peux te conseiller et te proposer, tu dois laisser ce jeune homme être calme. Laisse-les hériter ce qui leur revient de droit. Docteur, tu veux dire que la seule façon pour le sauver, c'est seulement amputer son pied? Il n'y a pas une autre manière? Non. Et si celle-ci, c'est la fille? Qui va s'occuper de la vie du jeune garçon? Nous sommes entre la vie et la mort. Mais je ne comprends pas sa mère qui dit qu'il l'aime beaucoup. Mais elle est en train d'hésiter. Docteur, tu ne peux pas dire ça, ok? Je veux dire, ce n'est pas du tout facile comme tu le dis là. Aucune mère ne pourra accepter que son fils bien-aimé puisse perdre son pied. Ce n'est pas facile. Bien sûr, je le comprends. Mais ce n'est pas ça le problème ici. Le problème est qu'il puisse vivre après cette opération. S'il vous plaît.
faites comprendre à sa mère. C'est d'accord, docteur, je comprends. Une fois à la maison, j'en parlerai à sa majesté. Non, t'inquiète, je le ferai moi-même, sois calme. Dieu. D'accord, ma chère. J'ai compris. S'il te plaît, sois plus près de lui. Ne t'inquiète pas. Ils ne vont pas amputer ses pieds. Dis au docteur que je dis qu'il n'ose même pas toucher à un doigt de mon fils. Jusqu'à ce que je dirai quelque chose. Ogoma. Merci d'être là pour mon fils. T'inquiète, son pied ne sera pas amputé. Je te le rassure. Bye. Oh, oh Deline. Maman ne leur permettra pas de t'amputer le pied. Je ferai de tout mon possible. Ton entêtement n'est pas bien. Si tu aimes ton fils, tu dois sauver sa vie. Tu dois offrir le sacrifice. Il te reste 24 heures parce que nous sommes prêts à récupérer son âme. Ne dis pas qu'on t'a pas averti et tu auras un sort que personne ne prendra soin de toi. Honnêtement, les garçons, je n'apprécie pas la manière dont les informations circulent autour de ce palais. Il y a quelqu'un dans ce palais. Il y a quelqu'un qui est en train de ramener toutes les informations de ce palais ailleurs. Hein? Ce n'est plus vraiment drôle. Ça ne l'est plus. Parce que si la reine la découvrait, si elle le découvrait, elle va le traiter avec rigueur. Vous savez ce que ça signifie? Elle va perdre sa confiance en nous. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Es-tu au courant de quelque chose? La reine demande à ce que personne ne sache qu'elle était malade. Mais j'étais vraiment très surpris quand j'ai vu l'un de nos anciens me demander où est-ce que la reine s'est fait traiter et il voulait encore savoir de quelle maladie souffrait-elle. Est-ce que vous imaginez cela?
ce n'est vraiment pas la première fois qu'une chose pareille arrive au palais. J'ai peur qu'il y ait un traître. Oui, nous avons un traître ici. Et je vous promets que je vais le dévoiler. Je vais le découvrir. Parce que si la reine arrivait à le faire avant moi, vous savez ce que ça signifie, non? Vous le savez très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses? Y a-t-il quelqu'un que tu suspectes? Lébé. Pourquoi tu fais semblant? Tu es sûr que ce n'est pas toi? Quel genre de question stupide est-ce que c'est? Non, tu baisais, ça c'est quel genre d'insulte? Hein? Tu es allé chez toutes ces servantes avec qui tu as fait l'amour? Tu feras mieux de t'éteindre, ne cherche pas de problème. Et fais très attention à mon tour de te demander, c'est toi maintenant? Fais attention. Est-ce que c'est toi? Fais attention, je sais pourquoi je te pose la question. Pour t'épargner à des problèmes. Écoute, tu baisais a raison de te poser quel cette question. Quel genre de question stupide est-ce que c'est? Réponds à la ça, question c'est quel qui genre posée. De question stupide? Obiora, essaie de canaliser tes chiens, sinon ils me verront sur leur chemin. Tu es averti. Au lieu qu'ils puissent commencer à chanter mon nom, ils me verront sur leur chemin. C'est lui qui osera me poser une question bête prochainement. Au nom de Dieu. Non, ne vous en faites pas. Calmez-vous. Calmez-vous, ça va passer. Calmez-vous, ça va. Je sais quoi faire. Hein? Tu ferais mieux de faire quelque chose. Faire dans tout ça. J'en ai tu ferais mieux de faire quelque chose car ce serait le mieux pour nous tous. Maman, tu as besoin d'un traitement médical. Tu n'es toujours pas bien. Je ne comprends même pas pourquoi tu refuses que je puisse inviter les docteurs. Pourquoi? S'il te plaît, maman, permets-moi d'inviter le docteur qu'il vienne prendre soin de toi. Non. Je serai très bien. Je sais ce qui ne va pas avec moi. Je prendrai soin de moi. T'inquiète, ma fille. Maman, s'il te plaît. Je t'ai fait près de moi. Mon frère est à l'hôpital. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi. Maman, s'il te plaît. Maman, je pense que tu n'envisages pas me laisser seule. Je pense que tu n'as pas envie de me laisser seule. Je suis très désolée, Joyce. Je suis très désolée. Pourquoi me dis-tu que tu es désolée? Maman, pourquoi me dis-tu que tu es désolée, je te demande? C'est ce que je suis en train d'entendre. Désolée. C'est pas moi qui suis malade, mais plutôt toi. Et tu me dis désolée. Et tu me dis désolée, maman, je t'en prie, tu es celle qui a besoin de docteur. Je serai bien. Je connais très bien mon problème. Je prendrai soin de moi-même. Le grand Chakari. La toute puissante Chakari. C'est le temps pour le sacrifice. Chioma, viens. Amaka, parle à ta fille. Couche-toi là. Amaka, prends le couteau et fais ce que tu as à faire. Ah.
Pourquoi as-tu fait venir un homme si occupé comme moi dans des affaires inutiles? Moi, j'adore une femme. Peu importe que je fasse cet appel. Tu dois savoir que la situation que tu avais causée, tu devais voir mon sacrifice. Oui, je t'ai informé. Cette femme a offert sa fille vierge. Et tu sais ce que cela veut dire. Tu dois enlever le sort que tu as mis sous la reine et son fils. Et comme ça, tu vas laisser tranquille cette famille. Car elle a travaillé pour leur liberté. Je sais. Mes félicitations. Non, papa. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Ah, papa, ce n'est pas juste. Tu veux vraiment prendre ce qui ne t'appartient même pas. Et le concerné ici, c'est bien ton neveu. Ton propre neveu, papa. C'est un humain. Et pourquoi est-ce que tu parles avec cet homme, ma fille? Hein? Et pourquoi ne soutiens-tu pas ton père? Non, oncle. Je ne peux pas soutenir la méchanceté. Je ne peux pas. Mon père ne peut jamais avoir mes encouragements. Jamais. Exactement. C'est ce que j'avais dit à papa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donc, tu as dû corrompre ta sœur à se retourner contre ton père. Alors, vous commettez une très grave erreur. Non. S'il y a des gens qui font des erreurs ici, c'est toi et mon père. Oui. Oh. Est-ce que tu réalises le tas du prince maintenant? Il est dans un état très terrible. Oui. Mon cœur bat très fort chaque fois que je pense à lui. Le jeune homme est sans aide. Il n'a subi aucun changement. Papa, où est ta sympathie humaine? Où est-elle? C'est bien ta famille, pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas ma famille. Ça, c'est une famille qui nous a volé nos droits. Vos droits. Et les choses ne doivent pas rester comme ça. Papa, tu as tort. Oui, tu as tort. Vous êtes ici. Vous n'avez rien appris. Apprendre quoi? La princesse est morte. Oh! Quoi? Quoi? De quoi parles-tu? En fait, la princesse ou le prince? Ou tu parles du prince? Je sais de quoi je parle. La princesse, la fille de notre défunt roi, est morte ce matin. Ce garçon devrait déjà mourir comme tu nous avais promis. Pourquoi est-il en vie? Ou pourquoi est-ce que sa maman est en parfaite santé? Il y a quelque chose qui cloche. Grand maître, quelque chose ne va pas. Oui. Il y a un ça ne va pas quelque part. Mes mains sont serrées. Et qu'est-ce que tu veux dire par tes mains sont serrées? Tu ne peux pas tuer les deux ou seulement le prince? Cette femme a consulté un grand pouvoir. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'arrive pas à tuer son fils. Je n'arrive pas. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien. C'est juste que la mort de ma fille lui rend incomplète. Je ne comprends pas. Tu dois comprendre qu'il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer pour tout ce que tu veux. Je veux que tu en sois fière parce que tu as payé pour ta liberté. Je suis désolée, ma chère. Tu n'en as pas besoin. J'ai plusieurs raisons d'être reconnaissante envers toi. Ce bâtard qui voulait ruiner ma vie et celle de ma famille ont échoué. À travers la mort de ma fille, ils paieront le double à cause de cette dernière. Je comprends bien ce que tu es en train de ressentir. Mais il faudrait aussi aller tout doucement. Hein?
Et comment le prince? Il va très bien. J'irai là-bas demain. Oh, ça c'est bien. Mais tu l'as déjà dit que sa sœur est décédée? Non, pas encore. Même pas aussi la mort de son père. Je sais même pas comment est-ce que je peux les lui dire. Oh mon Dieu, aide-moi. Alors comment tu vas aujourd'hui, mon fils? Je me sens bien, grâce à Dieu. Bonne nouvelle. Tu avais effrayé tout le monde. Désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Maman? Oui, amour? Pendant combien de temps j'ai été ici? Pendant 2 semaines. 2 semaines? Pourquoi? Il y avait une urgence? On voulait juste que tu te sentes bien. Dieu merci que tout est parti avec succès. Le docteur a dit que tu seras libéré demain. Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Maman? Oui, amour. Qu'en est-il de papa et ma sœur? Ne sont-ils pas venus me rendre visite? Je suis désolée, mon fils. Je voulais d'abord que tu rentres ici dans le royaume pour que tu apprennes cette nouvelle. J'étais désespérée, très désespérée. Je n'arrête jamais à poser à Dieu beaucoup de questions. Sois un homme, sois très fort. Vas-y, essuie tes larmes, fils. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? C'est la même question que je demandais à Dieu. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Il a ses propres raisons. Que sa volonté soit faite. Tu ne peux pas rentrer au royaume maintenant. Pourquoi, maman? Pourquoi? Les mêmes méchants qui ont tué ton père et ta sœur te cherchent aussi. Tu dois bien rester loin d'eux. Non, maman. Je ne peux pas dire de telles choses. Maman, je suis un homme accompli, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à fuir mes ennemis. Maman, je suis heureux que j'ai des ennemis. Parce que tu sais quoi, maman? Ils me rendent encore plus fort. Je ne peux pas m'éloigner de la terre de mon papa. Ça ne peut pas arriver. Il y a quelqu'un qui doit rester à distance, maman. C'est toi. J'aime ton courage, fils. Tu es le vrai fils de ton père. Le descendant du grand guerrier. Ta lignée n'aura jamais de lâche. Mais tu dois vraiment m'écouter. Tu ne peux pas fouiller pour toujours. C'est juste pour quelque temps. Ta maman se bat pour toi. J'arrange pour toi les choses. Maman? Si tu sais vraiment que tu m'aimes, fais ce que je te demande. Donne-moi du temps. Ça ne prendra pas du temps. Ça ne sera pas très long. Oh, Nam. S'il te plaît. Maman. Oui, ça va. Si je combats trop pour moi. Je ferai. Non, mon fils. Alors, c'est demain que tu vas rentrer en ville. Oui, je dois aller voir le prince. J'aurai appris qu'il a été libéré de l'hôpital. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, le garde me l'avait dit. J'ai aussi appris que la reine est là-bas. Vraiment, c'est un cas grave. Pardon. Quand tu vas arriver là-bas, complimente-les de ma part. Pas question. Alors toi, je te mets en garde là, fais ça. Éloigne-toi de cette famille. Hein? Parce que là, vous êtes vraiment têtus, vous deux. Vous m'avez désobéi. Papa, peux-tu me donner une raison pour laquelle je ne peux pas le faire? Le prince Odélé est mon cousin, mon frère, papa. Pourquoi dois-je vraiment me dissocier de lui? Parce que je te le demande.
parce que tu vas mettre ta vie en danger si tu continues. Si tu continues à t'associer à eux, ils sont nos ennemis. Non, papa, tes ennemis et non les miens. Mais c'est incroyable, comment peux-tu rendre ton propre neveu ton ennemi? C'est vraiment intolérable. Désolé de te décevoir. Reviens ici, reviens. N'ose pas partir. Papa, c'est qu'il dit. Alors tu peux te taire. Et c'est toi qui l'as influencé à me désobéir. Bien, continue. Il sait bien, on verra. Oui, Tristan. Laisse-moi du moins te suivre. Là, au royaume. Et pour que je puisse voir mon père et ma sœur à la mort. Non, non, non. Tu ne peux pas, fils. Tu ne comprends pas comment est-ce que la terre est terrible maintenant. Ces hommes méchants sont à ta recherche. Tu dois rester loin d'eux. C'est juste pour le moment. Maman, et qui sont ces gens? Sont-ils des gens que je connais? Tu ne les connais pas, mais eux, ils te connaissent. C'est ce qui est vraiment plus dangereux. C'est bien de connaître son ennemi. Mais dans ce cas-ci, tu ne connais pas tes ennemis. Voilà pourquoi j'ai envoyé Nkasi pour rester avec toi comme ton garde du corps. Nkasi. Oui, votre majesté. Pour le moment, tu seras son garde du corps personnel. Sa sécurité doit être ta priorité. Je me suis fait comprendre. Oui, votre majesté. Fils, maman, s'il te plaît, ne sors surtout pas à l'extérieur de l'hôtel. Ces hommes sont des méchants. Ils peuvent venir ici juste pour ta recherche. S'il te plaît, je t'en prie. Pardon. C'est d'accord, maman, c'est d'accord. Oh Dieu, aide-moi. J'espère que je poserai une fois de plus mes yeux sur cette fille. Elle a dû changer mes nuits en jours. Une fille? Tu m'as pas dit que tu as trouvé une petite amie. De quelle fille parles-tu? Je ne connais absolument rien sur elle. Ce n'est pas une fille que j'ai fréquentée il y a beaucoup longtemps. Maman, tu aurais discuté avec elle, mais malheureusement, je n'ai même pas son numéro. Est-ce Cassie. Que tu peux arrêter ça? De quelle fille parle-t-il? Non, votre majesté, j'en sais rien. Maman, c'est d'accord. Il a raison. Sois calme. Ok. Porte-toi bien. D'accord, maman. Mm-hmm. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? N'est-ce pas ce même grand maître qui nous avait promis ce trône? Oui. Comment allons-nous récupérer ce trône? Si nous n'arrivons pas à vaincre cette femme. Ça, c'est exactement ce que je ne comprends pas. Cette femme est devenue encore plus têtue que je le pensais. De quel pouvoir supérieur auquel il faisait allusion? Quel dieu de nos terres? Ça ne peut pas être le dieu. Et celui que nous servons est plus grand que le sien. Alors, lesquels de pouvoirs supérieurs? Il le sait mieux. Mais une chose est sûre. Si elle nous a vaincus spirituellement, alors nous devons invincer le combat physiquement. Oui, je la combattrai jusqu'à la fin. Oui. Je dois mettre ce garçon en dehors de la course. Oui. C'est ça, c'est ce que j'ai décidé. Comment pouvons-nous réussir quand nous n'avons pas l'accès d'aller au palais? Nous devons avoir l'information appropriée concernant ce qui se passe là-bas au palais pour réussir. C'est vraiment ça le problème. Nous avons besoin vraiment de savoir où est-ce que ce garçon est. Il n'y a aucun problème. J'en prendrai soin. Oui,
Je veux me renseigner auprès de mon fils qui travaille là. J'avais oublié que ton fils travaille là-bas. Parle-lui. Explique-lui absolument tout. Tout ce dont il a besoin. Le montant nous importe peu. Nous sommes d'accord avec tout. Oui. Est-ce que vous voyez comment ça? Oui, oui, d'accord. Papa, tu sais que ce que tu me demandes de faire est vraiment risqué. Je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas. Tu le peux. Je te dis que tu peux. Je sais ce que tu peux faire. Je ne peux pas te demander de faire quelque chose que je sais que tu ne peux pas faire. Tu dois comprendre que j'ai besoin de ton aide. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Oui. Laisse-moi te demander. Tu sais pourquoi est-ce que je t'ai inséré dans ce palais? C'est pour des situations comme celle-ci. C'est pour des moments comme celui-ci. Regarde, écoute-moi très bien, je te supplie pour ça. C'est le moment de les restituer à ton père. Te restituer, papa? En étant ton espion? De toute façon, qu'est-ce que tu veux, papa? Je t'ai fourni assez d'informations et tu demandes encore beaucoup plus. Qu'est-ce que tu veux exactement? Papa, tu veux triquer les trônes? Très loin de là! Très loin de là! Fils, écoute-moi. C'est pour le bien de ce grand royaume. Oui, la reine et son fils, le prince, ont ramené toutes choses en faillite. Et si on ne les arrête pas, ce royaume sera dompté. Oui, donc c'est pourquoi nous voulons que tu puisses chercher à savoir le prince habite. Mais papa, pour quelles raisons nous devons le faire? Je ne sais pas, mon fils, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce grand royaume. Et nous voulons éradiquer tous ces mal. Ne me pose pas ce genre de questions. Tout ce que tu as à faire, c'est d'exécuter ma mission. Hein? Donc, tu ne crois plus à ton père? Kosi. Mon prince... Ne me dis pas que tu ne vas rien faire concernant la fille que je t'avais dit. Soit probablement tu penses que j'ai exagéré. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. J'étais tombé amoureux de cette fille dès les premiers jours que je l'avais vue. Dès lors, mes pensées tournent toujours vers elle. Je ne sais pas. Oh. Je pense que j'ai une idée. Pourquoi allons-nous pas là-bas à l'extérieur, y rester toute la journée? Je pense que je peux avoir la chance de la voir. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, mon prince, je vous conseillerais de mettre de côté tout sentiment que vous avez vis-à-vis de cette fille. Mon prince, elle n'est pas de votre niveau, elle n'est pas de votre rang pour tomber amoureux d'elle. Allez, Cassie, tu sais que je ne comprends pas ta réaction. Pourquoi tu ne comprends pas bien le français? D'ailleurs, tu ne connais même pas la fille en question. Allez. Mon prince, je la connais très bien. Quoi? Oui. Elle était avec vous tous les jours que vous avez été hospitalisé. Elle était toujours à vos côtés. Elle priait pour vous. Es-tu sérieux? Oui. Comment elle m'avait reconnu? Ah, tu sais, je ne reconnais pas lui avoir dit quelque chose de ma part. Allez, mon frère, ne me dis pas que tu vas rester inattendu à ma question. Allez, fais quelque chose pour ton frère. Dis-moi un peu, comment elle m'a reconnu et où est-ce qu'elle habitait tout ce temps? Mon prince, elle avait voyagé, mais elle vient de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il sera avec nous bientôt. Ah, voilà ce dont j'ai besoin. C'est cela dont j'ai besoin. Voilà pourquoi je dis qu'elle m'appartient. Vraiment, je te dis que j'aime cette fille de tout mon cœur. Tu es un homme. Et... un instant. Pourquoi dis-tu qu'elle ne peut pas m'appartenir? Parce que... elle est votre cousine. La fille de votre oncle, Ogoma. Quoi?
Vous me cherchez, votre majesté. Je viens d'apprendre que... qu'il y a un espion dans ces palais. Un espion? Oui, c'est ça. L'un de vous prend des informations de ce palais et il les emmène à l'extérieur. Sais-tu ce qui est cette personne? Non, votre majesté. Es-tu sûr? Pas du tout. Je vais vous les chercher, votre majesté. Tu ferais mieux. Parce que si je le fais moi-même, vous aurez tous des problèmes avec moi. Tu peux partir. Merci, majesté. Mère supérieure, tu avais promis que ces hommes resteront loin de moi, ainsi que de mon fils. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils nous poursuivent partout. Tu es sûr de ce que tu dis? C'est la vérité, ma mère. Je vois. Ne te dérange pas. Je veux le châtier. C'est tout ce que tu avais à dire? C'est fini, ma mère. Ceci, c'est un refus qui peut te coûter la mort. Pourquoi tu n'exécutes pas mes ordres? Pourquoi tu ne veux pas tuer cette femme et son fils? Grand maître spirituel, je l'aurais fait depuis longtemps. Il me barre la route à mon ambition royale. D'ailleurs, je suis vraiment devenu confus là. Vous m'avez promis le trône. Vous changez de discours pour me demander de m'en débarrasser alors que je me suis sacrifié pour ça. Parce qu'elle avait offert un grand sacrifice d'une dame vierge. Es-tu prêt de faire plus que ça? Es-tu? Allez, je vais te le dire, mais à un moment. Tu es sérieux? Je le ferai. Salut. Salut, comment ça va? Je vais bien. Allez, n'aie pas honte. Je sais déjà la vérité. La vérité? Oui. Qui te l'a dit? Oh, toi. Il m'avait dit. Viens là, fais-moi un câlin. Allez. Toi. Cassie. Je veux bien. Merci. Bien, je suis au point de sortir. Pouvons-nous aller? C'est bon, allons-y. C'est bien. Ah oui. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. J'ai appris que tu étais avec moi tous les jours que je fais à l'hôpital. C'était adorable. C'est bon, tu ne peux pas dire ça. Tu es mon frère. Je peux tout faire pour mon frère. Tu peux le dire encore. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est à moi de te le demander. Pourquoi est-ce que tu ris? Non, je ne ris pas. Bien sûr. Bien sûr, non. Tu rigoles, pourquoi est-ce que tu ris? Allez, ok, ça va. Tu nous avais beaucoup manqué, sérieusement. Tu peux le dire encore. On a beaucoup attendu ton retour. Oui, ça c'est bien. Tu viens de dire non. Tu fais allusion à toi et tes sœurs. Oui, mes frères et moi. Et mon papa aussi. Ah, c'est vrai ça. Je me suis rappelé. Quand est-ce que tu retournes dans ton royaume? Ah, vraiment, je ne sais pas. J'ai continué à rester ici sous instruction de ma mère. Elle m'avait dit que ça ne va pas du tout que je sois un peu loin du royaume. Rester loin? Oui. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui cherche ton trône? Oui, certains anciens. Ah, je ne sais pas, mais je vais te dire ceci. Lorsqu'on m'avait appris ceci, j'ai décidé de donner à ma mère le respect qu'elle mérite. Mais j'espère que rester loin du royaume, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Je l'espère aussi.
Mais c'est bon, elle est ta mère. Et je pense qu'elle a ses propres raisons. Oui. Et je pense que tout ira bien. C'est juste question de temps. C'est ce qui est destiné pour toi. Donc tu ne peux pas te battre avec quelqu'un juste à cause de ça. Oui, tout celui qui cherche à te combattre ne perd que son temps. Ça c'est vrai. Même les dieux de notre terre vont combattre pour toi. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. C'est bon, de rien. Et je dois dire, tu y es très belle. Oh, merci, frère. As-tu dit que le chef spirituel avait dit qu'elle a dû offrir une vierge en sacrifice? Exactement ce qu'elle avait dit. J'étais sans mots. Et qui est-ce que ça devrait être? Qui devrait-il être? Non, mais une minute. Es-tu sûr qu'elle n'est pas responsable de la mort de sa fille? Oh mon Dieu! Oh, cette femme a sacrifié sa fille pour sauver son fils. Oh, elle est en effet prête à la bataille. Mais c'est pour combien de temps qu'elle peut combattre? Mais plutôt, jusqu'à quand continuera-t-elle à protéger son fils? Elle ne s'en sortira pas. Imaginez une femme, une simple femme qui nous défie à cause de la suprématie. Elle va regretter de nous avoir tentés. Oh oui, bien sûr. Parce que je vais la bombarder avec chaque arme que j'ai. Et quand j'en aurai fini avec elle, elle et son fils, alors rien et personne ne pourra nous stopper. Cette femme finira mal à cause de la bataille qu'elle a dû engager contre nous. Oui. Alors, quand souhaitez-vous rencontrer les autres membres? Tu sais, tu manques à beaucoup de gens là-bas. Nous attendons que ton retour. Tu dois faire de sorte que, lorsqu'elles te verront, qu'elles sachent que tu es de retour avec force. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Mon retour ici était conditionnel. Je ne souhaitais pas avoir un problème avec elles. Mais les événements récents ont causé ceci. Laisse ça pour moi. Je sais ce que je veux faire. Je n'ai plus envie de les rencontrer. Je ne crois même pas que je suis l'une d'elles. Tu l'es. Le plus tôt que tu acceptes ces faits sera le mieux pour toi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu attends longtemps. C'est ça même le meilleur endroit où tu dois te trouver. Là où il y a tes amis. Pour toi, ça peut être une meilleure place. Mais pour moi, ce n'est pas ça. S'il te plaît, oublions ça. J'ai un petit problème dans ce palais. Qu'est-ce qu'il y a? Ces méchants hommes ont planté un espion dans ces palais. Qui prend des informations ici pour les emmener? Tu appelles ça un petit problème? C'est plutôt grand. Ma chère, si tu ne lui mets pas hors de cet endroit et que tu sais de te débarrasser d'elle, tu n'es pas en sécurité. Sais-tu ce que c'est avoir un espion dans ta famille? Arrête! Tu dois faire quelque chose à propos de ça. J'essaye de trouver qui est cette personne, mais je n'arrive pas toujours à la découvrir. Écoute, cherche à savoir si cette personne a des relations avec leur fils. S'il te plaît, trouve cette personne et cherche à savoir ce qu'il veut. C'est vraiment très important. À plusieurs occasions, je vous ai déjà averti concernant la manière de prendre les informations de ces palais pour les emmener à l'extérieur. Vous ne faites que dire, ce n'est pas moi, oh, je ne sais pas,
Vous ne faites que nier. Il y a quelqu'un qui prend les informations du palais pour les emmener aux gens de l'extérieur. Nebe. Oui, ma reine. Sors ici devant. Iche Efebu est ton père, n'est-ce pas? Oui, ma reine. Et il t'a placé ici pour m'espionner, n'est-ce pas? Non, ma reine, je n'espionne personne. Comment oses-tu me mentir? Je peux pardonner tes erreurs. Mais si seulement tu me mens, penses-tu que je t'ai mis là devant sans preuve? Attends, je vais te montrer de preuves. Non, ma reine, pardon, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, pardon, j'ai été trompé. J'ai été trompé, pardon, je n'avais aucune mauvaise intention. Pardon, ma reine. C'est donc toi la sémence? Oui, ma reine. Donc c'est la raison pour laquelle tu travailles dans ce palais? Non, ma reine, non. Ton père t'a placé ici pour toujours m'espionner. Non, ma reine, je suis ici parce que j'aime le travail, j'ai juste... Tu aimes travailler ici pour prendre les informations et les emmener à ton père? Non, ma reine, non. Comment oses-tu? Pendant tous ces temps, c'est toi? Tu prends les informations et les amènes à ton père? Toi, espionnez-moi. Ma reine, pardon. Juste pour une raison, que je ne veux pas te punir. Merci, ma reine. Je te mets hors de ce palais. Non, ma reine. Obina. Pardon, ma reine. Mettez-le dehors. Non, pardon. Pardon, ma reine. Allez, mettez-le dehors. Vite, vite, vite. Bouge. Enlevez-le dehors. Pardon, ma reine. Enlevez. Pardon. Pardon, ma reine. Non. Pardon. Hey. Que ceci serve d'une très bonne leçon à vous tous. Ça, c'est juste un peu. Oui, je me suis fait comprendre. Présentement, mon fils est vraiment en colère contre moi pour l'avoir déçu. Oui, elle n'a pas pu maîtriser l'humiliation qu'on lui a infligée. Et pour ça, il n'a pas tenu. Mon problème, c'est cette femme, Comment est-ce que cette femme est? Comment arrive-t-elle à découvrir toutes ces choses? Où est ton fils, hein? Elle n'aurait pas eu de problème pour découvrir cela. Non, non. De toutes les façons, c'est mon unique garçon qui pouvait travailler au palais. Mais au même moment, cette femme est une sorcière. Cette femme, elle est casée quelque part. Elle est logée quelque part. Mais bien sûr. Mais vous savez, la protection qu'elle est en train de bénéficier, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, mais de toutes les façons, on va en découvrir. Est-ce que nous avons un autre plan? Oui, tu sais, son fils, il vit en Lagos depuis un moment. Et nous avons déjà quelqu'un qui garde un œil sur lui. Il vit à Lagos? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on attend? Frappons immédiatement. Satan, nous allons faire bien faire ça. On va frapper une fois pour toutes. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre? Je vous dis que c'est intéressant pour les mines. Oui, entrez. Encore aussi. Tu ne dors pas encore. Pas encore, mon prince. Et mon prince, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore fermé la porte. Oh, la porte? Je vais la fermer quand je serai prêt à dormir. Non, mon prince. C'est très risqué. Vous devez être conscient de votre sécurité, considérant que nous sommes dans un voyage sécuritaire. Il faut toujours être très prudent, car on ne sait jamais. Écoute, mon frère. Si Dieu n'assure pas la surveillance, alors les surveillants travaillent en vain. C'est seulement Dieu qui peut me protéger. Et en lui, j'ai confiance. Toi, tu peux bien dire que tu me sécurises. Mais sans Dieu, ma sécurité n'est pas garantie.
Car il est dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai l'impression de l'avoir oublié pendant tout ce temps. J'ai besoin d'être en contact avec mon Dieu. Bon sommeil, Cassie. Bon sommeil, mon prince. Mon prince, s'il vous plaît, fermez la porte. Je le ferai. Allô, fils. Comment vas-tu? Je me porte bien, maman. Et toi? Je veux bien. J'espère que tu as reçu mon message. Oui. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu, maman. S'il te plaît, ne prends pas ce message en vain. Je veux que tu quittes cet hôtel très tôt matin, demain. J'ai appris que ces gens sont à ta recherche. S'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu. Quitte cet hôtel pour là où j'étais indiqué. Et reste inaperçu. Oui, maman. Mais maman, je veux que tu comprennes quelque chose. Si Dieu ne nous protège pas, et c'est en vain tout ce que nous faisons, j'ai appris à avoir confiance en Dieu, et c'est bien lui qui me protège. Alors je te conseillerai de faire de même. Il faut toujours prier Dieu tout le temps que tu es en difficulté. Et je t'assure qu'il doit te répondre. Je l'ai appris et cela suffit pour moi. Dieu ne m'a jamais déçu. Bon sommeil, amour. Alors, comment ça va? Je vais bien. Et toi? Oui, je me porte bien, tu vois. Je me relaxe. Alors, tu rentres quand à la maison? Bien. À la maison, je ne sais pas encore, mais je continue à suivre les instructions de maman. Oh, là c'est vrai. D'accord, on est en train de t'attendre. Ah, c'est vraiment bien. Cassie. Oui. Comment vas-tu? Je vais très bien, Ogoma. Comment ça va? Je vais bien. Je peux voir que tu profites bien. Bien sûr. Il est mon pote. Il est mon je cher vois. Ami. mon prince, si vous pourriez m'excuser, je vais aller me soulager. Oh, pas de problème, pas de problème. Je vais rentrer dans quelques instants. Excusez-moi, Ogoma. D'accord. Ok. Oui, c'est un homme bien. Je peux le voir aussi. Mais vraiment, ne l'envie pas. C'est un problème, ça. Tu sais que tu es ma sœur. tu sais que tu es ma sœur. Excuse-moi, qui es-tu? Oh, on se connaît, non? Je ne te connais pas. Oh mon Dieu, mon roi. Comment? Est-ce que tu connais cet homme? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Tu ne comprends pas. Donc c'est toi là. Je ne te connais pas. C'est quoi ça finalement? Donc tu es en train de te mettre dans ma vie. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu es un bâtard. Viens encore. Tu l'as tué. Mon prince. Non. Quoi? Oui, et toi aussi. Tu en auras tout dans tout. Voilà. Allons-y. Vite. Vous avez échoué. Vous êtes méchant. Et quoi ça? Je n'accepterai jamais que vous puissiez réussir. T'ai-je entendu nous appeler méchants? Bien sûr que c'est ce que vous êtes! Des hommes méchants! Non, John! Vous vous concertez pour prendre le trône de mon fils! Ça ne marchera pas! Pas dans ces royaumes! Pas tant que je serai en vie! Mon fils va retourner! Il va enterrer son père!
et il va prendre le trône. Épargne-nous de ça, madame. Plus question. Jusqu'à l'heure nous continuerons à rester des lâches. Hein? Jusqu'à l'heure nous continuerons à être rejetés. Nous avons longtemps patienté et il n'y a rien qui s'est fait. Nous n'allons plus l'accepter. Nous avons pris notre décision point et trait. Notre honneur ici présent occupera la place de notre bam. Épouse, que tu l'acceptes ou pas. Enfin. Et tes opinions ne sont pas considérées. Des bêtises. Absolument des bêtises. C'est ce que vous faites. N'importe quoi. Espèce de sorciers. Des hommes méchants. Pas tant que je serai en vie. Pas dans ce royaume. Je vais vous battre. Je vous battrai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Calmez-vous, reine. Ne vous en faites pas. Vous avez notre soutien. En fait, on vous soutient totalement. Hein? En fait, toute la communauté entière vous soutient. Soyez calme. Mais de quelle communauté tu es en train de parler? Et ce royaume, bien sûr, ou notre royaume. Regarde, je vous ai dit que ce plan ne marchera pas. Et ce plan machiavélique de ramener ces trônes en dehors de cette famille ne marchera pas. Je vous avais dit que nous avons le soutien majeur de la communauté de ce royaume. Mais vous pensez que j'étais en train de m'aventurer? Sachez que ce plan ne marchera tu pas. Tu es vraiment un lâche. Tu es qu'un lâche. Un ancien sans c'est ce que tu es. Un lâche. Cette situation ne fait que nous faire reculer. Oui. Ça, c'est vraiment un règne de faiblards que je n'ai jamais vu avant. Regardez autour de vous. Tous les royaumes prospèrent. Ils progressent. Et nous, nous régressons. Un pas en avant, deux pas en arrière. Eh bien, je ne voudrais pas me mettre là et voir ça. Voir cette importante souffrance que notre père ne nous a pas laissée. Non, ce n'est plus possible. Le peuple veut du changement. Bon. Du changement. Hey! Hey! Comment oses-tu appeler mon défunt mari un faiblard? Tu es un homme stupide. Tu es un homme méchant. N'importe quoi! Comment oses-tu appeler mon mari faiblard? Tu veux voler ce qui ne t'appartient pas. Espèce de voleur. N'importe quoi! Tu ne peux pas te permettre de m'insulter, Amaka. Ne m'insulte pas. Je vais t'insulter. Je vais t'insulter. Je vais t'insulter. Je le ferai encore. Assez. Assez, je dis. N'insulte pas mon frère, Amaka. Vous êtes tous des idiots. Des imbéciles. De n'importe quoi. Oui. Je vous salue, les anciens. Si je ne me trompe pas d'adresse, je suis sûr que c'est ici le palais d'Igwe Ezekwesile, le second. Nous avons les images du fils. Il y a les garçons et la fille. Quel fils? Quel fils? Hey! 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 Ma reine, sa majesté, lève-toi. Ma fille, ça ne peut pas être ma fille. Qu'est-ce que ma fille fait avec ce garçon? Non. Oh mon Dieu, je l'avais prévenu de rester loin de ce garçon. Je l'avais prévenu de rester loin de ce garçon. Pourquoi est-ce qu'elle m'a désobéi? Bon, pourquoi? Monsieur bâtard, pourquoi est-ce qu'ils ont pu tirer sur ta fille? Hein? Était-il aveugle? Il ne savait pas que c'était ta fille? Mais il me reste encore un problème. Nous avions envoyé des garçons. L'un, introuvable. Où est-il? Cela veut dire qu'il s'est échappé?
Bâtard. Donc alors, elle doit l'avoir tué avant tout. Alors il ne va pas nous échapper. Je finirai par l'avoir. Et quand je l'aurai, je vais le tuer de mes propres mains. Oudema, Oudema, pourquoi? Pourquoi? Tu sais que je t'aime beaucoup. Pourquoi? Pourquoi tu es parti pour ne plus revenir? Pourquoi? Ono, il faut attendre ceci quand il désobéit à Idekulu. Je t'avais averti d'être loin de ce jeune homme, mais tu avais refusé. Tu as désobéi à mes ordres. Tu en paieras cher. Le puissant Idekulu a parlé. Hey! Vous voyez maintenant? Je suis restée sans enfant. Qu'est-ce que ceci veut dire? Pourquoi seulement moi? Votre Majesté, il y a un problème. Le prince. Le corps du prince est introuvable. Comment? Le prince? Comment? Quand est-ce que son corps a disparu? Comment? Comment? L'as-tu entendu? Pourquoi t'es loin de moi? Pourquoi? Ah mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est pas vrai. Moi, ce n'est pas vrai. Dites-moi. Dites-moi que c'est faux. S'il vous plaît. Et faites quelque chose. Faites quelque chose. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Oh non, 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 non. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Non, 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 non. Comment as-tu pu, toi, serviteur d'Idekulu? Comment as-tu pu briser notre accord? Je n'ai brisé aucun accord. Et tu oses me mentir? Je ne te mens pas. Je n'ai aucun intérêt sur la mort de ces jeunes hommes. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de mes ordres. Que le tout-puissant Shakari puisse vous aider, sinon je vais m'en charger de vous. Toi et tes six Jésus, je vous assure que vous n'aurez jamais la paix. Je t'ai déjà dit la vérité, n'essaye pas de me déranger, n'ose pas. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Sors de ma chambre maintenant! Va-t'en! Calme-toi, Amaka. Ne me demande pas de me calmer. Donne-moi juste une seule raison pour laquelle je dois me calmer. J'ai tout perdu. Tu as pris tout ce que tu désirais. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Quoi encore? Toi! J'avais promis de protéger mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé à cette promesse?
J'ai perdu ma fille à cause de toi. Et maintenant, mon fils est mort. Qu'est-ce que tu désires encore? Ton fils est mort par sa propre volonté. Oui. Je t'avais promis de protéger ton fils, mais toi-même, tu ne te pas prudente. Je n'ai pas tué ton fils. Mensonge! 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 Tu n'es rien d'autre que une sale menteuse. Si ce n'était pas ces hommes, alors c'est qui? Dis juste que tu n'as pas pu protéger mon fils à l'essor de ma chambre. Sors maintenant! Oh! Tu n'es capable de rien. Tout ce que tu sais, c'est manger les enfants d'autrui. Tu n'es capable de rien. Je répète encore, tout ce que tu sais, c'est manger les enfants d'autrui. Je regrette d'être venu chez toi pour la protection. Mais tu sais quoi? Tu peux régner comme tu veux. Tu peux aller en enfer, je m'en fous. Tu n'as aucun pouvoir. Tout ce que je dis est oui et amen. Amen. Je retourne ça sur toi-même. Que la foudre s'abatte sur toi. Que les tonnerres s'abattent sur toi. Je serai bien pour toujours. Et Waka, je te jette un mauvais sort. Que la foudre s'abatte sur toi. Nga! Tu sais quoi? Si j'ose encore te voir. Si mes yeux osent encore te voir, je vais personnellement te tuer. Oui, je vais te tuer. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh, oh Seigneur, merci. Oh. S'il te plaît, va donner mon message à votre mère supérieure. Que la nuit passée soit une dernière qu'elle puisse faire montrer son visage à moi. Amaka, S'il te plaît, pardon, ne dis plus un mot. Je refuse, ne dis plus un mot. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ne dis plus un mot, va seulement lui dire mon message. Vous n'êtes qu'une bande de déceptions. Si je savais que votre plan était de me rendre sans enfant, ne suis-je pas sans enfant? Je n'ai plus d'enfant. Je ne dis plus un mot. Ne dis rien. Tu ne comprends pas ce que je ressens. Ne me dis pas ça, je t'en prie. Parce que je ne comprends pas. Tu n'as même pas une petite idée sur ce que je ressens. S'il te plaît, je comprends. Si c'est vrai, tu n'as qu'à sortir ici en paix et aller donner mon message à votre sale mère supérieure. Mais pourquoi est-ce que je vous avais rejoint? Tu ne comprends pas. Arrête de me dire ça. Tu ne comprends rien. Mes anciens, ce qui nous a réunis maintenant, c'est de savoir qui a tué les princes de ce royaume. Nous ne savons non plus si la mère a cherché à savoir la cause ou pas. En quoi est-ce que ça nous concerne? Pourquoi cela ne dois-je pas me concerner? Essaie un peu de réfléchir. Clairement, vous avez souhaité la mort de ces garçons pour vous organiser, pour couronner Onohou comme roi. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Onohou, ce que Ichie est en train de me dire, c'est que le meurtre de notre prince demande notre attention. Hein? Nous devons réunir nos efforts afin de savoir qui est derrière ça. Hein? T'es rendu compte que j'ai perdu ma fille? Elle a été assassinée juste avec le prince. Maintenant, dis-moi, qui est derrière ça? Oh non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Raison pour laquelle tous nous devons aller voir les oracles et découvrir qui sont derrière tout ça. On doit les savoir. Tu la fermes, mon ami. Nous n'allons pas aller au sanctuaire avec vous. Alors ne comptez pas sur moi, parce que moi, Onoche, je ne serai pas d'accord avec tout ce que vous faites ici contre le roi. Je partage le même avis. C'est amusant que vous tous êtes là en train d'accuser une innocente reine d'avoir une mémise dans la disparition de son fils. Izuna, tu y as totalement raison. Tout ce que tu as dit est vrai. Hein? Cela est vrai. Cette femme,
cache les corps de son fils pour compliquer certaines choses dans le royaume. Oui, elle est l'ennemi de ce grand royaume. Tout celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Hein? Elle a refusé d'enterrer les corps de son mari, notre Igwe, notre dauphin Igwe. Elle a caché les corps de son fils. Pourquoi? Elle ne veut pas que nous ayons un autre roi. Elle ne veut pas que nous avançons. Pourquoi? Pourquoi refuse-t-elle d'avoir un nouveau roi pour un nouveau départ de ce royaume? Elle ne peut pas. Qu'elle le veuille ou pas, nous aurons un nouveau roi. Qu'elle le veuille ou pas, nous aurons un nouveau roi. Impossible! Cela ne peut pas se faire. Jusqu'à ce que le corps du Igwe et son fils sera totalement investigué. Il n'y a autre chose qui peut se faire dans ce royaume. Et qui l'a dit? Qui l'a dit? Izuna, qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Tais-toi! Qui penses-tu être? Quel est ce pouvoir que tu as? J'ai le pouvoir en tant que fils de cette terre. Et nous allons les combattre jusqu'à la fin. Ton groupe et toi jouez avec le feu. Et on dit que ces feux brûlent désastreusement. Oh non, est-ce une menace? C'est une promesse garantie. Mmh, okay. Ok. Alors, on verra. Nous le verrons. Très bien. Alors mon frère, allons-y. Je vous dis, nous verrons à la fin. Nous verrons à la fin. D'accord. Sortez n'importe quoi. Ah! Regarde-moi. Regarde-moi ce végétarien. Oh non. Des végétariens. Oh! Mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Seigneur, pitié. Mon cher mari, pardonne-moi. J'essaie juste de venger ta mort. J'ai tout perdu. Tout est vraiment parti. Ma fille est partie. Mon fils est parti. Mon cher fils, trouve une place dans ton cœur pour pardonner ta mère. Maman est désolée. J'ai vraiment tout perdu. Je dois finir cette bataille et enterrer mon mari. J'ai tout perdu. Ah ouais. J'ai tout perdu. Mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis très désolée. Ah. S'il vous plaît, mère supérieure, nous devons la laisser tranquille. Elle a tout perdu. Tu n'as pas réalisé la promesse que tu lui as faite. Et maintenant, Amaka est désespérée. Nous avons juste aggravé sa condition. Elle est vraiment désespérée. S'il vous plaît, laissons-la tranquille. Elle connaît tous nos secrets. Elle va tout exposer si jamais je lui permets de partir. S'il vous plaît, mère supérieure, elle ne le fera pas. Je connais Amaka. Elle est une femme de principe. Non, je ne peux pas la permettre. Elle est l'une de notre secte de tout-puissant Chakar. C'est parce que tout-puissant Chakar avait promis de protéger son fils, mais ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que tu dis? Le tout-puissant Chakar n'a jamais failli, jamais. Je suis désolée, mère supérieure. Et comment expliques-tu une situation comme celle-ci? Du moment où c'est lui que le tout-puissant Chakar avait promis de protéger a été assassiné. Amaka est juste dévastée. S'il vous plaît, assurons-nous de ne pas rendre les choses plus difficiles pour elle. Son défunt mari a été enterré. Et après cela, il est maintenant évident à tout le monde que le corps de son défunt fils est introuvable. Elle essaie de s'en sortir après avoir perdu tout ce qu'elle avait. S'il vous plaît, laissons-la tranquille.
Lolo. Nous sommes là pour te voir. Je suis occupée, je ne veux pas recevoir quelqu'un aujourd'hui. Nous ne sommes pas non plus venus ici pour nous divertir avec toi. Nous sommes venus t'avertir que selon notre tradition, maintenant que Igwe a été enterré et tout le reste a été fait, vous devez faire preuve de chagrin. De quoi est-ce que tu parles? Vos cheveux, vous savez, vous devez vous raser hein, et respecter la procédure de votre défunt mari le croit. C'est ce que notre tradition nous exige.
Maman, tu dis que tu dois vraiment rentrer chez cet homme. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je veux que tu comprennes une chose. Que la vengeance est pour Dieu. La vengeance appartient à l'Éternel. Tout ce que tu peux faire est de lui déposer toute ta charge. Et tu seras vraiment surprise. Tu seras déchargée. Et tout tournera toujours à ton avantage. Dieu connaît tout ce qui te surpasse. Il connaît. Maman, il te voit. Et il est vraiment prêt. Il est vraiment prêt pour t'aider. Comprends quelque chose ici, maman. Que la revanche ne peut donner naissance qu'à la revanche. Et cela ne sera pas une solution. S'il te plaît, maman, allons-y juste notre Dieu. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, mais Dieu est la seule solution. On n'a que lui. Il n'y a que lui qui peut répondre à nos prières. Il n'y a que lui qui peut le faire et changer notre situation. Et parce qu'il sait ce que tu es en train de surpasser. Crois-moi, maman. Crois-moi. Tout ceci passera, maman. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis très désolée. Je suis désolée, ma fille. Si seulement je t'avais écoutée, les choses n'allaient pas tourner en mal. Je suis désolée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis très désolée. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ne t'ai-je pas dit de rester loin de moi? N'as-tu pas honte de toi-même parce que tu n'arrives pas à protéger tes sujets? Reste loin de moi! Laisse-moi tranquille! Tu veux ta liberté. Tu as demandé pour ta liberté. Tu en auras. Mais sois-en sûr. Tu ne peux jamais révéler nos secrets à personne. Le jour où tu vas le faire, tu vas vraiment regretter. Oui, je désire ma liberté. Lolo, Ono ou Ichene Meka et certains membres du cabinet nous ont délégués de venir vous voir. Nous... Qu'est-ce qu'ils veulent encore de moi? Qu'ils me laissent tranquille. C'est quoi le problème? Mon mari est déjà enterré. Le corps de mon fils ne s'est fait plus voir. J'ai décidé de continuer ma vie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Lolo, point de correction. Nous sommes absolument au courant de rien de votre part. Lolo, est-ce que c'est difficile de considérer même les personnes qui étaient autour de votre défunt mari pour nous informer? Ça fait mal que vous avez perdu votre mari, notre Igwe. Avec votre fils, unique successeur au trône, Lolo, uniquement les dieux de cette terre. Je peux vous le dire. Uniquement, ils peuvent nous dire pourquoi le malheur suit exactement cette famille Lolo. Notre reine, nous sommes touchés. Vraiment, nous sommes touchés. Personne, ni moins les anciens, n'ont la même mise dans tout ce qui arrive dans cette famille. Nous aimons cette famille. Nous portons cette famille au cœur. Exactement. Et exactement, Lolo. Le problème, c'est que nous avons vraiment de l'intérêt à porter sur ce royaume. Ouais, et c'est voilà pourquoi nous sommes venus vers vous. Avec une merveilleuse et meilleure solution pour faire avancer ce royaume. Que nous avons choisi quelqu'un
qui va succéder à votre mari, notre défunt Igwe, oh, d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix. Voyez, nous aimons cette famille beaucoup. Nous espérons et nous cherchons à l'amener encore plus haut. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons cette monarchie ne quittera pas cette famille. Et nous avons décidé de choisir quelqu'un sur cette seule famille afin de continuer ce qu'a fait votre mari. Et ça, c'est Onohou. Ce même Onohou que vous connaissez très bien, qui est le frère de votre défunt mari. Parce que nous voulons que les choses aillent de l'avant, parce que nous voulons que vous soyez heureuse. Et j'espère qu'il n'y a aucun problème dans tout ceci, à moins que vous en constituiez un. Non, lorsque ça a un trait avec vous. Dojo, les hommes méchants. Non, lorsque ça a un trait avec vous. N'avez-vous pas remarqué que vous avez pris tout ce qui m'appartenait? Vous n'avez pas remarqué? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Laissez-moi tranquille. En tout cas, je te rappelle que tu nous accuses à tort. Sache-le très bien. Et tu es averti. Non, ma reine, vous ne comprenez rien. Hein? Ces hommes sont tous derrière la mort de ton mari, de ton fils. Et d'ailleurs, ça peut arriver même pour ta fille. Nous ne pouvons pas leur permettre d'assumer le poste du leadership du royaume. Non, ce sera désastreux pour nous. Hein? Regarde, j'ai parlé aux gens, des hommes de grand cœur dans ce royaume, qui sont prêts à les combattre. Tout ce dont on a besoin, c'est votre bénédiction, votre soutien. Non, 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 non. S'il te plaît, ne fais rien pour les stopper. Hein? Ma reine, vous, vraiment? Écoute-moi. Écoute-moi juste. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous continuons à nous battre à cause du trône? Non! Laisse-les tranquilles. Ils nous ont fait du mal. Mais que faire? Nous avons beaucoup perdu dans ce royaume. Donne-leur la chance. Oui, donne-leur la chance. Laisse que la paix règne. La paix? Regardez, nous n'irons nulle part avec ces hommes. Hein? Avec eux, nous n'aurons pas de paix. Tu ne peux jamais dire la vraie couleur d'un homme si tu ne le laisses pas diriger. Donne-leur le pouvoir. Voyons voir ce qu'ils vont faire. On doit le faire. Hey, vraiment, ma reine, ça ce n'est pas vous. C'est pas vous. Hein? Il est vraiment évident que ça, c'est pas vous. Hey. Il y a clairement quelque chose avec l'attitude de cette femme que nous ne parvenons pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'elle a opté à faire autre chose. La femme qui a perdu presque toute chose. Elle est juste comme si elle ne va pas faire quelque chose. Non, 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 non. Son silence dit beaucoup. Mon frère, nous dirigeons nos pensées dans la même direction. Ono, le silence de cette femme est vraiment suspect. Je pensais là-dessus. Et que pensez-vous qu'elle peut faire? Bien, Ono, je ne peux pas dire exactement ce que cette femme est capable de faire. Mais nous devons nous impliquer. Nous devons y réfléchir. C'est nous les anciens. Vraiment, vous... Ça ne vous dérangerait pas si je disais que ce sont vraiment de bêtises. Je pense vraiment que face à la déception... Regarde, vous savez, tout ce que vous voyez maintenant, je vous assure que ce n'est rien d'autre que la déception. Oui, oui. Vous savez, je lui avais dit qu'elle ne peut pas commencer ce qu'elle ne pourra pas finir. C'est ça. C'est nous qui avons le dernier mot. Oui. Le dernier. Oui. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que nous perdons tout notre temps à parlant ou en traitant des sujets très élémentaires. Hein? Pendant que nous devons penser au gouvernement de notre prochain Yui. Mmh. Alors, ce n'est pas un divertissement. C'est plutôt une question importante.
Emele Kokwenu. Iya. 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 Ceci est un jour merveilleux. Un jour glorieux. Oh, ce sont les jours que le grand peuple de Belébé attendait. C'est le jour où nous tous allons assister au couronnement du nouveau Onowu et du nouveau roi de notre grand royaume. C'est un très grand merveilleux jour et mon cœur tressaille d'allégresse. Je voudrais que cet homme merveilleux vienne ici. Cet homme qui va nous amener vers la terre promise. Cet homme qui va me restaurer notre grand royaume. Igwe. Oh, merci, Seigneur, de nous avoir donné ce genre d'homme. Merci beaucoup, prenez place. Oh, enlevez votre chapeau, enlevez-les. Regardez ce chapeau. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez très bien vu. C'est un merveilleux jour. Eke, Orion, Afo, Ibo. Ebeno Kwenu. Ebena Bekwenu. Ezo Bwenu. Bien, par le pouvoir qui m'a été conféré par le peuple des Benébé, la communauté des Benébé, je viens par la présente vous faire porter ceci. Et ceci. Associé à ceci. Par le pouvoir qui m'a été donné comme le Nohu du royaume des Benébé, je viens par la présente de couronner le grand. Arrêtez-vous là. Hein? Votre temps a pris fin. Il est temps que vous vous agenouiez devant le vrai roi de ce royaume. De quelle bêtise parles-tu? Je pense que tu n'es pas venu ici pour détruire ce grand. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit que je ne vous laisserai pas gagner cette bataille. Tu t'es déjà beaucoup réjoui. Il est temps que vous puissiez laisser le vrai roi de ce royaume diriger. Des sorciers que vous êtes. Et ça, c'était méchant. Je suis inspecteur de la police. Chief Nemeka et Onowu. Vous êtes sous arrestation du meurtre de Igwe Ezile Ebenebele II de ce royaume et l'attentat du meurtre du prince Odeli. De quoi est-ce que vous parlez, hein? Est-ce que vous n'avez pas perdu vos sens? Amène-les. Des sorciers. Désolé, Onowu. Avancez.
Celui qui sème le vent récolte la tempête. Silence. Partons. Espèce de sorcier. Hey, oh mon Dieu. Hey, mon prince. Eh ben, laisse-moi croire nous. Zono, Zono. Par le pouvoir de la circonstance, je, par la présente, vous fais porter cette couronne. Ma tante, mon roi, s'il vous plaît, pardon, ne faites pas comme si nous sommes endeuillés ici. J'aimerais comprendre quelque chose. Parce que on nous avait appris que notre roi qui est présent était assassiné. Et tous avons perdu l'espoir. Mais vous apparaissez soudainement. On m'avait tiré. Et j'avais perdu la conscience pendant quelques jours. Mais Dieu m'a sauvé. Ma belle qui est ici, ma femme, elle m'avait aidé. Et elle a décidé de m'amener là où elle restait. C'est de cette façon que je t'ai sauvé. C'est vrai? Oui. Je travaille comme une infirmière à l'hôpital. Lorsqu'on a emmené le corps pour faire l'autopsie, c'est en ce moment-là que j'ai compris que le prince était encore en vie. On a fait ce qu'on pouvait pour le sauver et se rassurer qu'il est en vie. Mais après cela, 3 heures après, il a parlé et il m'a relaté son histoire. Et il m'avait demandé de garder en secret pour lui ce que j'avais fait. Et c'était plus tard que nous avions contacté la reine. Ma reine, vous le saviez? Pourquoi pas? Mais comment alors les enquêtes disaient que vous ne l'avez jamais trouvé? Et Dieu avait voilé vos yeux parce que le prince avait été protégé et Dieu a pu se manifester. Mais la Bible dit dans le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 17,
Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le diable ne peut résoudre aucun problème. Il peut juste les compliquer. Je crois en vous, pasteur. Je crois en vous. Je suis un témoignage vivant. Tu l'avais fait d'une mauvaise façon. Ah! Mon fils! Pasteur! Mes anciens! Agent de la police! J'ai une confession à faire. Quoi? Parce que j'avais juré sur ma propre tombe que personne ne pourra prendre ce trône. Parce que c'est mon fils qui le méritait. J'avais touché le sang dans mes mains. Mes mains sont remplies de sang. J'avais sacrifié ma fille. Quoi? Oui. Comment pourrais-tu? J'avais tué ma fille à cause du trône. Ce que j'avais fait, je l'avais fait pour toi. Maman, elle est ma sœur, maman. Même si cela n'était pas du tout bon, je l'avais fait pour mon fils, pour le trône et pour le royaume. Mon cœur est rempli de joie. Ma mission est accomplie. Officier, oui monsieur, arrêtez là. Ne le faites pas. Laisse-le le faire. Maman. Laisse-le s'il te plaît. Rapidement. Partons. Maman. Fils. Prends soin du royaume. C'est bon, mon roi. Arrêtez de pleurer. Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Dieu est votre force. Maintenant, c'est le moment pour vous de dédier votre royaume entre les mains des dieux. Je crois fermement que si votre père avait fait cela, votre mère n'aurait pas utilisé votre sœur comme sacrifice. Alors je vous en prie, faites une correction de ce que votre père a fait et libérez vos voix, ok? Maintenant, dédiez votre royaume entre les mains de Dieu. Allez, prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, je dédie cette famille entre tes puissantes mains. Papa céleste, aucune parole ne retourne à toi sans produire des effets. Père de gloire, je parle en tant qu'un oracle de Dieu. Je viens contre toute puissance, contre toute force, contre toute domination, toute autorité,